On est face à un grand coup de bluff. Les gens sont venus avec leurs enfants, parce que les enfants sont concernés. Liberté, ouais. Liberté. Non. Liberté, égalité, jamais piqué. Alors ça, c'est votre slogan. On peut vous interviewer, vous avez quelque chose à dire, monsieur? Madame. Ça, c'est mon slogan. La France est un État terroriste. Emmanuel Macron oui. nous dit, au début de cette crise, que nous sommes en guerre. Oui. Mais c'est pas un... Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas un attentat terroriste? Vous m'y faites penser, justement. Est-ce que vous pouvez me livrer votre opinion? À partir du moment où on essaye de gouverner un pays en y imprimant la terreur, en essayant d'obtenir de ses habitants tout ce que l'on souhaite par la terreur, alors oui, on est un terroriste. Vous parlez par rapport à son discours, par rapport aux mesures qu'il a prises. Quel a été votre sentiment le soir de son discours? Mais moi, j'ai pas regardé parce que je savais ce qu'il allait annoncer de toute façon. Puis, nos amis, les journalistes, nous l'annoncent copieusement quand même. Donc, en général, avant, il nous l'annonce copieusement. Donc, à quoi ça sert de le regarder? Franchement, c'est beaucoup d'émotions négatives, non? Alors, vous travaillez pour quel média, vous? Alors, moi, je suis un média indépendant sur YouTube. C'est Le Globe 777. Ah oui, je me suis. Ah d'accord, et ben voilà. Et ben super, je suis super contente d'avoir une de personnes qui C'était me C'était très suit. Bien ce que vous avez fait sur mercredi sur la page. Voilà, donc est-ce que vous êtes là? Parce que, en fait... c'est Florian Philippot qui a appelé. Absolument, absolument pas. Pas. Voilà. Moi, je suis là de toute façon, même si Monsieur Philippot n'avait pas appelé. Moi, je suis là parce que j'ai pas envie qu'on pique mes enfants, parce que je suis enseignante en plus. D'accord. Et je ne veux pas servir de prétexte à tout ce qui se trame dans les écoles. Voilà. Je suis pas là pour ça, moi. Je suis 12 là pour ans. Enseigner. Comment? À 12 ans. Non, 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 non. Ça va être bien, bien moi, inférieur je pense à qu'ils vont faire moi, quelque je, chose. Je peux vous le dire, ça sera à partir de 3 ans. Je le sens très bien comme ça. Alors. Comment on peut accepter que une thérapie génie soit injectée alors qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sous le marché? On ne connaît pas le composant exact, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transparence, on n'a aucun chiffre, aucun recul. Tout nous est quasiment caché sur le nombre oui, de morts, sur pour les ça, effets. Il faut qu'il fasse très très vite là, maintenant que l'on sait qu'il y a vraiment des traitements. Et bien voilà. Du coup, l'autorisation de mise sur le marché provisoire des vaccins, elle va plus être possible pendant bien longtemps. Donc il faut qu'il fasse très 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 vite pour vacciner. Très 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 vite. Qu'est-ce que vous pensez de... Donc là, ça passe par le Conseil d'État, ça passe aussi par le Conseil constitutionnel. Ils sont tous à sa botte. Donc pour vous, ils sont tous à sa botte. Malheureusement. Non mais vous pouvez parler ici, il n'y a pas de souci. Oui, oui. Donc là, je vous pose la question. Admettons, cette obligation, elle passe. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, qui ne voulons pas nous vacciner? On boycotte tout. On boycotte. On va plus au ciné, on va plus au resto. De toute façon, on a pris l'habitude, non? Bah oui. En même temps, on a pris l'habitude. En même temps. Et puis, sous la pression commerciale, ils abandonneront, donneront tout. Regardez, là, j'ai vu une petite vidéo. Vous avez vu la Guadeloupe? Non, j'ai pas vu. Alors, 90% des personnes ne veulent pas se faire vacciner. Ils sont en train de tous boycotter. Tous les marins sont en train de boycotter. D'ailleurs, je vous invite à intervenir sur la télé. Il y a la Martinique qui est là. Donc, ça serait bien de donner des... Ah, bah, c'est toi qu'ils ont interrogé, tu vois. Voilà. En plus, à la Guadeloupe, ils ont d'autres problèmes. Hein, des problèmes sanitaires, des problèmes de flotte, etc. Ah ouais, ouais, ah ouais non, pauvres, mais... L'empoisonnement par le chlore d'école. Alors, je me permets de vous filmer. Bah oui, bon, vous êtes... c'est quoi ton prénom? Sarah. Sarah, moi c'est Kadra, bon tu le sais, voilà. Sarah, t'as encore quelque chose à dire? Excuse-moi, ouais. Sinon on va dire que je coupe la parole. À la Guadeloupe, ils se sont vraiment mobilisés pour l'interdiction du port du masque pour les enfants à l'école. Bravo la Guadeloupe, bah, chapeau ils savent à ce que c'est que l'esclavage. Chapeau à vous, chapeau à vous vraiment. Vous avez été des pionniers, franchement. Moi j'ai été très très inspirée de ce que vous avez fait. Et si tous les parents de France avaient pu faire la même chose, franchement c'est top. Vous êtes au top la Guadeloupe, voilà. Bah, là j'ai envie de dire que je suis assez fière des Français, je suis assez fière des parents parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens, beaucoup ouais, de gens mais différents. Les parents n'auraient jamais dû tolérer qu'on masque leurs enfants, ouais, jamais, déjà, jamais. Ouais, mais pourquoi? C'est comme si ça on avait une main sur la bouche de nos enfants depuis le mois de novembre. C'est pas normal. C'est pas normal. Jamais on a dû tolérer qu'on fasse ça à nos enfants. Et puis après, ça a été les tests PCR et les tests à l'hiver pour les maternelles. Et puis quoi maintenant? Et puis quoi? On sait ce qui s'en vient là. On sait ce qui s'en vient. Alors réagissez là. Les parents, bougez-vous. Ouais, parce que le pass sanitaire aujourd'hui, c'est la Covid. Moi, je suis enseignante, je veux pas être le prétexte de tout ça. Je veux pas être. Voilà. Justement, vous serez assujetti, enfin, tu seras assujetti ah, à, la, non, non, à la vaccination. Bah non, s'il faut que je parte, je partirai. Un peu comme les soignants. Il faut être radical. Il faudrait attendre de se faire licencier parce que, en fait. Eh alors, ouais, mais dans les plans nationaux, le licenciement. Il n'y a pas d'article allié à l'obligation vaccinale dans le Code du travail. On voilà. peut pas être non, licencié non. Plus, pour cette raison-là. Et à qui incombera la responsabilité? Au patron? À qui paiera les indemnités de la personne qu'on licencie?
Alors là, il y a un gros truc à faire. Il faut changer le code du travail, il faut changer le code de la santé, il faut changer la constitution. C'est une expérimentation, on ne peut pas. Si normalement, députés, on nous paye pour faire des essais. Si, nos députés, si on est un cobaye, on est payé en tant que cobaye. On signe une décharge. Alors, si nos députés, nos sénateurs, le conseil constitutionnel, etc., ont tant soit peu, il leur reste un tout petit honneur, tout ça, ça passera pas. C'est illégal. Et c'est contraire aux droits humains. Les gens qui aujourd'hui acceptent cette obligation, qui sont moi, j'ai envie de leur dire courage. Celui qui veut se faire vacciner, il se fait vacciner. Celui qui veut pas, il veut pas. Et ne vaccinons pas les enfants. Ah ouais, surtout. Ah oui. Ok. Et arrêtons ce chantage permanent, cette violence permanente. Contre ceux Macron, qui sont pas vaccinés. Macron, il doit dégager. On va pas attendre qu'il finisse son mandat. Il doit aller en tôle. Pour haute trahison. Trahison du peuple français. Comme son gouvernement nous ont répété à raison que cette vaccination ne pouvait pas être obligatoire et elle ne peut pas être obligatoire. Je comprends ce qu'on est en train de nous faire passer. Cependant, il y a quand même un certain nombre de cohérences dans la vie. Je constate qu'ils ne font, ce vaccin ne fait pas partie de la liste des vaccins obligatoires, que de toute façon, comment se pourrait-il qu'il fasse passer partie de la liste des vaccins obligatoires quand il est encore en développement, n'en déplaise à M. Véran, notre ministre de la Santé, qui s'est moqué et gossé des gens qui disaient le contraire. Cependant, les tableaux, les annonces des laboratoires pharmaceutiques sont là, de l'Agence du médicament européen, donc il peut dire ce qu'il veut, mais la réalité est là, c'est que d'ici 2023, ces produits, parce que certains sont des vaccins, d'autres non, sont en cours de développement et le resteront. Voilà, donc il faut quand même calmer, savoir raison garder. Et donc, dès lors, on est face à un grand coup de bluff, un grand coup, à mon avis, de poker menteur. Et donc, quand bien même vous ne me croiriez pas, vous auriez probablement raison. Regardons ce qui se passe à droite, à gauche. Alors en Israël, l'histoire du pass, du Green Pass, ça n'a pas duré bien longtemps. Et donc assez rapidement, ils se sont rendus compte que des limites. Mais n'allons pas jusque-là, allons simplement à Moscou, où ils ont pareil insisté sur l'obligation du pass sanitaire, bilan de l'opération. Le pass sanitaire est sorti d'utilisation. Donc on voit que c'est peut-être qu'un mauvais moment à passer d'un coup en force, mais je rappelle que nos données médicales sont personnelles. Je rappelle que le fait de mettre une aiguille dans le corps pour injecter quelque chose, là en l'occurrence un vaccin ou une injection d'ARN, c'est un acte médical et que en ce sens-là, personne ne peut vous obliger à cela, sauf si vous avez signé un papier, et là donc j'attire à votre plus grande vigilance de ne pas signer des papiers qui vous mettraient dans une situation où vous devez effectivement vous injecter de ces produits en cours de développement. Voilà, rapidement, de se mobiliser comme jamais, car effectivement, on est très surpris les uns et les autres de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de ce qui se passe. Et donc, mobilisation dans toute la France. Et elle se maintient, elle recommence. Que nous soyons vaccinés ou non vaccinés, là n'est pas la question. Il est hors de question de créer une ségrégation. Et j'aimerais bien entendre les différentes religions sur le sujet, car je n'imagine pas, je ne conçois pas que des religieux puissent accepter une telle situation. On est face à un grand coup de bluff.